Chalon suivant. Temple 1, non pas encore. Logistique MK2, ça pourrait être pas mal, mais ça va être un petit peu chiant à faire. J'ai pas de production pour ça pour l'instant. On va faire le... Ah, de toute façon, il me faut l'assembleuse. Donc, on va faire l'assembleuse. Parce que pour faire les plaques lourdes, il me faut l'assembleuse. Ok, bah ça tourne pas mal là. Quand même, hein. Alors maintenant, où est-ce que je vais placer ma base? Il va falloir que je fasse un peu d'exploration pour essayer de trouver des gisements intéressants. Où est-ce que je vais faire ma première base en tout cas? Normal, donc c'est déjà mieux. Je crois qu'il y en a un autre par là, j'ai cru voir. Du pur. Ok, c'est là qu'il faut qu'on vienne. Un minerai de fer pur. Une électrolimace là-bas. Tu voulais me dire que c'était un appareil et t'as zappé. Enfer, on a de l'impur. Est-ce qu'on a du cuivre pas trop loin? Parce que là, on a un gisement de fer pur, donc c'est pas mal pour le radar à minerai. Ouais, mais en fait, j'arrivais pas à retrouver la touche qu'il fallait utiliser. Je vais relancer mes usines avant, peut-être. Ça va. Mais oui, j'arrivais pas à retrouver la touche à utiliser en fait pour utiliser ce radar. Donc on l'était. Il y a du fer pur ici. Celui-là, j'ai même pas regardé ce que c'était, mais il me semble que c'est de l'impur. Là-bas. Normal, c'est pas mal. Côté. Et alors il faut que je regarde aussi si ça c'est du pur en calcaire ou pas. J'aimerais bien trouver du pur en fait, hein, pour gagner du temps. Ah par contre il y a une grosse bestiole là. Ah ouais, mais je suis pas encore prêt à l'affronter.
Non, 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 je me casse. Normal ici. Ok. Un normal, je pense que ça devrait me suffire pour l'instant. Enfin, en tout cas au calcaire. Même s'il va falloir beaucoup de béton quand même. Hein. Quand même. De toute façon, je pense qu'on va aller s'installer près du minerai de fer pur. Ça me semble la base. Enfin, on va mettre au moins une foreuse là-bas. J'aurais dû mettre des foreuses pour me rappeler lesquelles c'était. Il me semble que c'est celui-là. C'est lui. Sans doute me mettre par là, je pense. Bon, j'en place une, au pire, je la remplacerai après. Je vais aller tuer la bestiole qui croit qu'elle me fait chier. Donc on a dit qu'on prenait celui-là. On a du pur ici, ok. Donc je pense que je vais placer mon usine sur cette, au niveau de cette dune. Ah mince, il y a un gisement ici par contre. Que je ne perds pas. C'est quoi ça? Normal, ça pourra nous servir hein, d'avoir du normal pas trop loin. Mal là. Donc si j'ai celui-là par contre ça m'embête de le mettre là. Bon là on se place à cette hauteur là. Ok,
Alors, est-ce que cette première dalle me convient en termes d'orientation? Parce que maintenant que la première dalle est placée, en fait, je vais aligner toute ma base là-dessus. Pas tout à fait. J'aimerais qu'elle soit un... Non, ça me... Ok. Il n'y a pas moyen par contre. Attends, il me semble qu'il y a un moyen maintenant de construire plein d'un coup. Et bonsoir Thibaut, bienvenue. Y a pas de tuto? Non, mais on est encore en... On est encore en... En early access, hein. Tac, comme ça, là, ça... Je vais placer la foreuse par là, donc je vais me faire toute une grande plaque ici. Ah, sinon on va le faire à l'ancienne, hein, c'est pas grave. Oh, je regarde entre deux. Mince. Voilà. Ça va être notre premier parking là, du coup. Alors je vois que j'ai un générateur qui est coupé, donc je vais aller le réalimenter. Assez de béton, mais là sur cette zone là je pense qu'on devrait être pas mal pour faire la première partie. On va chercher du béton. Et où ça? Est-ce que ça bloque à un endroit? Parce qu'il va falloir plus de béton que ça, clairement. Non, ça bloque pas. C'est juste... On est sur de l'impur à 30 minutes. Et lui, il faut en prendre jusqu'à 45. Voilà. Ça dépasse après. Non. J'aime pas. Mais
mettra des pieds après. Hein. Ah zut. Là, et j'en ai mis une autre qui n'allait pas là. Allez, hop. Tac, 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 ok. A priori, tous mes trucs de base sont par là. Et ça arrivera par là. Donc on va faire entrer de ce côté-là les marchandises et on va faire nos chaînes dans ce sens-là. J'ai plus assez de béton pour l'instant. Par que je pousse le béton quand même par contre, sinon on va vite galérer là-dessus. Bon attendant, on va faire quand même pendant que ça tourne, on devrait avoir assez pour pouvoir faire un jalon suivant. Et récupérer les assembleuses. Ok. Deux centiges. 300 plaques, je les ai. Il va manquer que deux câbles que je vais faire à la main. Allez, c'est parti. 6 minutes avant le assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note: project parts are too complex to produce by hand. OK, donc là maintenant j'ai l'assembleuse. Ça faudra que je fasse des rotors, c'est vrai, pour les faire. Donc, les rotors, on les fera à la main au départ. J'ai l'assembleuse et donc maintenant je crois que j'ai ce qui va. Si j'ai l'antif, peut-être que je peux voir. Choisir un jalon. Je crois que j'ai débloqué. Oui, les plaquages intelligents, les cales modulaires, et je crois que c'est des rotors qu'il faut pour le premier étage.
Par contre, avant de pouvoir commencer tout ça, il faut que je me fasse la logistique MK2. Avant de pouvoir réellement commencer mes usines. Tremplin, on s'en fout, ce sera le dernier. La question c'est où est-ce que je mets mon magasin pour le moment. À la limite, on pourrait déjà lancer la ligne de béton avec la foreuse normale. Enfin, sur le normal. Et les mettre par là. Il faut encore un peu de béton que j'élargisse un petit peu. Et on commencerait par la ligne de béton par là. Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de béton pour pouvoir faire toutes les plaques. Ça pourrait être intéressant. On partirait tout droit par là pour l'instant. Ok, donc je dégage par là. Alors pour le premier étage de l'ascenseur, je vais pas encore mettre les convoyeurs sous cloche. Mais à la fin on le fera. Déjà parce que pour l'instant j'ai pas encore ce qu'il me faut. Tac. On fera passer par là. Alors pas trop près de l'eau par contre parce que ça j'en aurais besoin. Donc faut pas que ça me gêne non plus. Bon, ça a bien dégagé ça déjà. Arrêter.
Je vais mettre une fourreuse pour voir à combien elle tourne après, pour savoir combien il faut que je mette. Sachant que cette chaîne là va sauter du coup. Assez de béton sur moi. J'ai déjà bien dégagé la zone. Elle va nous sortir du 60 par minute. 60 par minute des tapis MK1, ça suffit encore. Hein. Je crois que ça suffit encore d'ailleurs. Voilà, donc 60 par minute, de toute façon c'est le maximum que peut faire le tapis MK1. Dans le jalon que j'ai pris, ça permettrait d'aller à 120, ce qui serait nécessaire de toute façon pour mon pour le pur. Après on prendra le broyage de ressources aussi pour commencer à générer du ticket. Et bon, là il me faut les conveyeurs verticaux. Non, ça j'ai déjà les conveyeurs verticaux, mais les pylônes surtout. J'aimerais bien qu'en fait, pour éviter que ça me gêne, je vais mettre mes tapis en hauteur. Sinon, on galère à passer au-dessus. À nouveau.
Là, je devrais avoir la place de mettre la chaîne de béton. Mais pour ça, il faut la logistique MK2 avant que je commence réellement à travailler là-dessus. Donc, ouais, il faut que je fasse la logistique MK2. Donc, il va falloir que je fasse ça à la main. Par contre, les 50 plaques lourdes. On va chercher les vis, du coup. Ok. Plaque ensuite, on va aller rechercher, j'ai combien de vis et je vais reprendre des vis aussi. Un outillage là par contre. J'ai 300 tiges, j'en ai quasiment. Hop, on va déjà mettre les 300 tiges. Allez, on va finir de fabriquer du coup comme ça les 50 plaques renforcées, ça va être bon. Je vais pas avoir 300 plaques pour le moment. Au pire, je crois qu'il me reste de quoi en faire à la main. Accumuler les lingots de fer qui nous restent et on va les transformer en plaques. Ça va nous faire aussi du clair dans l'inventaire parce que là j'en ai trop. Avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre, parce que j'ai encore du calcaire, je vais remettre du calcaire dans la ici là pour que ça sorte un tout petit peu plus vite. On va écumer ça.
C'est un petit peu long, mais bon. On est obligé de passer par là. Ça, ça surtout, ça m'évite de garder ça dans mon inventaire pour le moment. Ça me permet de refaire des plaques. Ok. Il manque pas beaucoup, je vais en chercher le reste. Juste remettre encore un peu de béton. Ce qui reste de calcaire quoi. Il n'y a pas ce qu'on a 190. Ok. Allez, on a ce qu'il faut et du coup on va pouvoir avoir la logistique MK2. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. On a le conveyor MK2. Surtout, on a les pylônes de conveyor. C'est ça dont je vais me servir pour monter mes conveyeurs qui vont faire des longues distances. Pour éviter qu'ils ne me gênent trop et que je puisse passer en dessous.
Donc du coup, de mon usine, on va avoir le béton qui devrait arriver quelque part par là. Et le but, bah, ça va être d'aller rejoindre la foreuse qui est là-bas. Donc on va passer là, hop, et puis par là. Mais en mettant tout en hauteur. Voir où est-ce que je vais arriver. C'est pareil, hein. C'est pas droit pour l'instant, mais ça le sera à terme. Limite, on pourra se transformer assez vite en MK2 et ressortir d'ici du béton. Enfin, d'autres. Il y a des chances que ce soit en plus. Non. Et il faut remplacer un milieu de l'eau quand même. Pas beaucoup, dommage. On peut bien passer un au milieu quand même, j'ai l'impression. Deuxième.
Ah zut, hein, il manque pas beaucoup. Je vais pouvoir atteindre celui-là. Voilà, on a une première ressource du coup qui va arriver à l'usine. Je vais aller alimenter la foreuse pour qu'elle commence à produire et à nous ramener tout ça pendant qu'on monte la chaîne de l'autre côté. Alors, j'ai plus de câble, je vais le rechercher. Alors, sauf que là, c'est pas assez haut du coup. Là après ça passe, c'est bon. Là ça va embêter, donc faut que j'en mette un deuxième là. Voilà, ça m'embête plus. Ah voilà, comme ça, elle va commencer à nous sortir ses 60 par minute. Ouais, alors là, peut mieux faire, là. Au-dessus,
Ok. Non mais tu pourras pas m'attendre là.